Qui a dit que les mathématiques ne pouvaient pas être ludiques? À travers cette vidéo, je vais essayer de prouver le contraire en vous apprenant à construire un tangramme. Le tangramme est ce fameux puzzle d'origine chinoise, de forme carrée au départ. À partir des 7 formes géométriques qui le composent, il est possible, parfois avec beaucoup d'imagination, de construire n'importe quel motif, comme chacun de nos 10 chiffres, ou bien un animal tel que le chat. Voici en image un pas à pas qui devrait te guider dans la construction d'un tangramme. Voici un rapide rappel des outils nécessaires à la construction. Évidemment, il nous faut une feuille de papier non quadrillée de préférence, même si rien ne t'empêche d'avoir avec toi une feuille quadrillée pour plus de facilité. Il te faut également une règle graduée, ainsi qu'une équerre, et enfin, un crayon de papier bien taillé de préférence évidemment. Démarrons maintenant la construction en traçant un carré. Je choisis, pour ma part, de faire un carré de 16 cm de côté. L'équerre ici va jouer son rôle afin d'obtenir les angles droits du carré. Je sais également que les quatre côtés de mon carré doivent avoir la même longueur, ici 16 cm. Pour que ce soit plus simple, je vais nommer mon carré A, B, C, D, car je vais me servir de chacun de ces points pour la suite de la construction. Traçons maintenant le segment AC, diagonale de ce carré. J'obtiens ici deux triangles à la fois rectangle et isocèle. Maintenant, je vais construire le point E, milieu du côté AD. Le côté mesurant 16 cm, il est facile de trouver son milieu placé à une longueur de 8 cm de l'extrémité. Je fais de même avec le segment CD, dont le milieu va s'appeler F. À partir de ces deux points, je trace le segment EF. Maintenant, je vais construire le milieu G de ce segment ici tracé, en le mesurant, j'ai une longueur de 11,4, donc la moitié va être à 5,7 cm. À partir de ce point G, je vais tracer le segment BG. Ce segment coupe la diagonale AC précédemment tracée en un point que je vais appeler H. Je vais construire maintenant les points I, milieu du segment AH, et J, du segment HC. Ce segment, comme tout à l'heure, mesure 11,4 cm, donc je retrouve son milieu à une longueur de 5,7. I, et J. À partir de ces points, je vais tracer les segments IE et GJ.
Mon tangramme est désormais terminé. Il ne me reste plus qu'à découper soigneusement chacune des pièces qui le composent et d'essayer d'obtenir les figures que je vous propose dans la suite de la vidéo. Voilà, maintenant c'est à ton tour d'essayer de construire le tangramme avant d'essayer d'obtenir les motifs suivants. Sauras-tu réaliser les deux motifs? Place à la réponse. Alors, avais-tu réussi ces deux petits casse-têtes? Maintenant, te voilà prêt à utiliser ce puzzle, aussi bien chez toi pour t'amuser, qu'en classe avec ton professeur, qui pourra te montrer tous les aspects mathématiques de ce nouvel outil.